À la fois belle et délicate, Audrey Byrne fut une actrice au charme fou. Elle a su inspirer de grands cinéastes américains tels que William Wyler, King Vidor, George Cukor ou encore Stanley Donen. En 2012, la ville de Morges a eu un véritable coup de cœur pour cet artiste qui vécut une partie de sa vie à Tolochenaz. Elle décida de l'honorer par une exposition. Nous allons donc visiter celle-ci en embarquant sur le bateau amiral La Suisse au départ de Chillon. De là, quelques pas nous mènent vers le musée Forel. Musée Forel, où l'on découvre photos et extraits de films qui retracent la carrière d'Audrey Hepburn. Que de rôles n'a-t-elle pas interprété dans lesquels elle a su émouvoir les spectateurs? Tel celui de la fille romantique d'un chauffeur dans Sabrina de Billy Wilder. Ou celui d'une libraire philosophe dans Drôle de frimousse de Stanley Donen. D'une princesse espiègle qui conduit avec Gregory Peck un scooter emballé dans Vacances romaines de William Wyler. D'une jeune aristocrate russe amoureuse d'un officier qui doit partir au front, un film tiré du roman Guerre et paix de Léon Tolstoï, adapté par King Vidor. D'une call girl sophistiquée qui cherche la notoriété d'un diamant sur canapé réalisé par Black Edwards. D'une modeste fleuriste qui prend des leçons de maintien et de diction pour devenir une dame de la société dans My Fair Lady, mise en scène par George Cukor. You do, Lord Boxington. How do you do? How do you do, Mrs. Ainsford Hill, Miss Doolittle? How do you do? How do you do? Audrey Byrne a su à merveille mettre en valeur son corps de mannequin ainsi que ses talents de danseuse. Son grand ami, Hubert de Givenchy, célèbre couturier parisien, lui a confectionné de magnifiques robes que l'on peut admirer dans ses films. Ce n'est donc pas peu dire qu'Audrey Byrne avait la réputation d'être l'une des femmes les plus élégantes du monde. Audrey Byrne, au cours des dernières années de sa vie, s'est fortement engagée en faveur de l'UNICEF. Nommée ambassadrice de bonne volonté, elle a, durant 5 ans, sillonné la planète pour défendre la cause des populations les plus déshéritées. «
Le 1er septembre 2012 a eu lieu à Tolochna, au-dessus de Morges, l'inauguration d'une place et d'une sculpture en son souvenir. C'est dans la parole à Luca Dotti, son deuxième fils qu'elle a eu avec le médecin Andrea Dotti, ainsi qu'à son dernier compagnon, Robert Voldos, acteur néerlandais. Merci d'être venus nombreux. Et c'est une grande émotion pour moi, pour mon frère qui n'a pas pu être malheureusement pas là aujourd'hui. Parce que Tolochna était vraiment plus qu'une maison, c'était vraiment l'endroit où maman a cherché, choisi. Et l'endroit où elle était la plus heureuse. Donc c'est une très grande honneur que le maire, la ville, vous tous nous font à maman et je crois qu'elle serait très touchée. Et donc, merci beaucoup. Généreux hommage à la mémoire. La mémoire d'Odé me touche profondément. Et alors à ceux qui ont collaborer à ce merveilleux événement, je vous remercie de tout cœur. Ceux qui d'entre vous connaissaient bien André savent qu'à Tolochna, elle trouvait un havre de paix et de sérénité. Je pense qu'elle y a passé les plus heureuses années de sa vie et son cœur appartenait à Tolochna. Et je suis sincèrement convaincu que même si André n'est plus parmi nous, son âme et son esprit resteront ici pour toujours. Merci. Un peu plus loin, nous découvrons la demeure qu'Audrey Byrne a habitée avec sa famille pendant de nombreuses années. C'est en 1963 qu'elle et son premier mari, Mel Ferrer, jetèrent leur dévolu sur cette propriété loin de l'agitation mondaine. Elle appréciait ainsi de pouvoir mener une vie normale, aller au marché et conduire ses enfants à l'école sans être sous les flashs des paparazzi. En 1993, à la suite d'une grave maladie, Audrey Byrne nous a quittés. Son fils Sean, ainsi que son demi-frère Luca Dotti, décidèrent alors de continuer son œuvre et dirigent actuellement la fondation The Audrey Hepburn Children's Fund à Rome. Finalement, c'est par sa simplicité de cœur que cette actrice fascine tous ceux qu'elle a rencontrés. Aujourd'hui, Audrey Byrne, à l'instar de son dernier rôle joué dans le film Pour toujours de Steven Spielberg, a rejoint le paradis. Dans ce long métrage, elle interprète le rôle de l'ange Happ qui dialogue avec un pompier ressuscité après un accident. Ce dernier pilotait un Canadair lors d'une mission périlleuse qui se termina tragiquement. Dès lors, l'ange Happ, qui accompagne le pilote dans sa nouvelle vie, conseille son successeur. Pour nous, ce souvenir d'Audrey Byrne demeure, comme le dit la chanson, jusqu'à la nuit des temps.